à tous, bienvenue dans Sab, je suis Técamon habillé en masque de l'ombre, avec une tenue de récolteur de cristaux. C'était au dernier épisode, on a été au plateau de foudre, on a eu ce super look. On va se changer, paf, et ça tombe bien, on s'est arrêté à un vaisseau encore écrasé, donc on va voir dedans. Tiens, j'ai encore des crottes à rendre, c'est vrai. La tenue. On va dans un vaisseau. On va dans un vaisseau. Il est où le truc de cosmonaute? Le haut de la baleine, le voilà. Pantalon de la baleine, c'était la baleine. On a mis notre stuff d'exploratrice. Puisque voilà, on joue une fille, hein, je vous rappelle. Hop. Et c'était bien un vaisseau écrasé qu'on avait vu au loin. Donc là, au bonheur des amis. Je sais pas pourquoi les amis sont attirés par ça. Waouh, waouh, waouh. Ok, donc en fait c'est plusieurs vaisseaux quoi, quand même. Ou c'était une flotte. Hop là, une flotte de Terra. Et mince. Terraformer. Petit, petit. Il est là. Ah, un nouvel œuf. Merci. Alors, ah, le haro, je sais pas, on va grimper là apparemment. On pourrait. Excellent. Oh, il me plaît, une configuration compliquée, plusieurs entrées. Alors oui, je fais le tour parce que on a déjà vu un ami caché. Pas caché. C'est un grand monde, mais si tu vas pas, tu le trouves pas. Non. Non. Ces coquins aiment bien être allés partout. Là, il pourrait se simuler, il y a un tuyau. On va jeter un œil, évidemment. Tiens. Bah alors, mon pépère. Wouah ! C'est trop classe. Un nouvel œuf. Bon alors, c'est 54, 55. Est-ce que ça veut vraiment dire que je suis arrivé à 15 au-dessus du palier? Je sais pas. Ah si, j'en ai 15. Encore 5? C'est cool. Sur les ailes en haut, bref, il faudra qu'on monte sur la coque, j'ai trouvé des fois. Ça, bah, c'est un capsule de message en fait. Rien de plus. Bon bah écoutez, si tu m'obéis, on y va. Rentrons dans la bête. Ouais, il y a plusieurs niveaux. On va faire le côté facile d'abord. Il donne pas son nom, le vaisseau? Voilà. Que 4, ça va vite. De la ferraille, une porte d'accès ici, ok. Rien, un accès par là. Oh. Mais j'ai dit, on est dans le vaisseau avec Alien. Ok, et là pourquoi il y a un petit tunnel? Oui, bah oui, oui, après. C'est que là je vois des choses qui m'intriguent. C'est par rapport à l'extérieur. Ah ouais. On a rejoint l'extérieur. Ils veulent qu'on y aille. Pas plus loin.
Là, on peut rien faire. On sait qu'on peut pas grimper là. On peut pas grimper là. On peut pas. Comment je fais moi? Pour grimper sur l'aile. Est-ce que c'est assez haut là? Il veut pas. Eh bah c'est quoi? Il y a une butte. On va prendre de l'élan, on va être têtu. Je crois en toi, Sap. Vas-y. Il faut bien la soutenir quand même, la peau. C'est elle qui fait tout le boulot. Allez, ma crevette. Ah, ne tombe pas! Non, c'est bon, recharge. On est pas mal. C'est bon? On va aller jusqu'en haut pour être dans le confort absolu. Et puis pour la vue, quoi. C'est toujours voir ce qu'il y a derrière, c'est important. Non, il n'y a que des plantes et du vent. Par contre, tu es à moi. Ok, et je ne pourrais pas aller en haut, mais en haut, je ne vois rien d'autre. Ça le fait large. Et voilà, un de plus. Plouc. Merci. Non, il n'y a pas d'intérêt. Puis tu vois, on peut pas grimper la coque, hein, c'est fait exprès. Yes. Allez, dans les profondeurs, dans cette partie-là, avant de faire l'autre puzzle. Pourquoi ils veulent qu'on aille là? Est-ce qu'on reçoit... Oui, on revient à la porte de dessus. Donc une pile à mettre, des tremplins. Il y a une pile qui est en dessous. L'ombre de Neve. Enfin, le nom du vaisseau. Pourquoi est-ce que là on aurait besoin d'un tremplin ici? Il faudrait amener là la pile. Ok, ouais, tu l'alimentes là. Si j'ai ce tremplin là, ok, il me donne accès à quoi? Pas grand chose. En mettre un ici en face, ça serait pas mal. On a accédé ici pour choper une première pile. Et là, on en a une autre. En dessous. Oh, c'est chaud, il y a trois. D'accord, bah écoute, on va bien rigoler, hélas. Je vais fixer bien la même porte que où on devait arriver. C'est ça. Donc j'ai une pile ici. Qui peut me renvoyer là-haut. J'ai également une pile à aller prendre là. Tac. Ouais, ok, elle va m'envoyer là, je pourrais l'armer. Puis comme ça avec l'autre, bah en fait on fait rien avec l'autre. Ok, je peux armer ici. Il y a une autre pile là-bas.
limite, celle-là, on peut alimenter. Soit ces trucs-là. Non, je crois que ça est soulevé, tu vois. Qu'est-ce que ça fait, ça? Donc ça, ça te fait... tu passes pas. Pourquoi? On va faire l'autre, hein. Premier tremplin, paf. Très étrange. Boum. Alors jusqu'où il m'envoie. Et quel intérêt d'activer l'autre? Ouais. Avec lui on arrive là-haut, comme ça on reprend ici. Paf, paf, paf. Ah, ils veulent pas qu'on grimpe. Ils sont pas sympas. D'accord. C'est en mode chiantos, cette énigme-là. Eh ben, on va insister. Allez. Tu peux. Bon. Au final, c'est lui qui m'intéresse. C'est pas tellement l'autre là pour l'instant. Qu'est-ce que je fasse avec... Comment voudrais-tu que je passe? Il veut pas. Ah ouais, on est obligé, d'accord, oui. Voilà. On va activer ça alors. C'est pour ouvrir la porte, donc on a fait une première moitié. Donc à la limite on n'a plus besoin de celui-là. Et il faudrait ouvrir cette moitié-là. Donc amener là-haut. Pas grimper, hein, on est d'accord. On peut pas grimper là non plus. C'était l'idée sinon, mais non, on peut pas. Et en même temps, il y a celui-ci activé. On a vu le final, hein. J'avais pas pensé à ça, attends. J'avais pas fait gaffe. On peut activer l'autre à la passerelle qui va ouvrir ça, là-haut. Oh là là. On verra après, on te garde au chaud. On peut pas emmener l'autre, hein. Paf, il t'envoie en l'air, hop, et tu peux arriver jusqu'en haut. Comment tu fais pour grimper là-haut? Non, non. Je peux grimper au câblage. Je peux grimper au câblage et c'est bien tout.
peut-être pas ce qu'il faut faire, hein. Parce que, comment veux-tu autrement récupérer... Lui, il me sert plus à rien, mais je peux rien faire. C'est frustrant. Je peux pas le lancer sur des boîtes, il veut pas. Écoute, on va faire ça. Non. Il faudrait que je m'arrête plus tôt et que ça tombe sur la passerelle. On aurait activé l'autre, on serait content, mais on peut pas parce que c'est chiant. Alors ok, lui il bloque, on saute par là et il me bloque. Mais je prends où le troisième? On va en avoir besoin pour activer là de toute façon. Donc le truc c'est d'arriver là-haut. Comment je fais pour arriver là-haut? Je peux pas non plus parce que c'est une plaque. Par contre ici c'est intéressant. Tout là-haut. J'ai pigé. On va garder le tremplin, on va y aller par extérieur, on va monter tout en haut, on va essayer ça. Non, c'est pas trop lourd, ça. Allez. Compliqué, mais gérable. Allez, on fait ce qu'on sait faire. Oui. Donc là, c'est bon, il faudra installer le frein après. Il nous manque une pile. On va y arriver en montant là-haut. Par magie, presque. Et pour ça, après, pour m'envoyer là-haut, et là-haut, il y a une pile, il y a même une porte. Donc il faudrait que j'arrive à grimper là-haut. On va reprendre l'accès. Oh là là. Troisième fois. Ça, c'est le puzzle qui t'en veut. Tant que tu ne me maîtrises pas, tu regrimperas. Faut vraiment aimer les amis pour faire ça. Allez, zou. Zou. On réfléchit pour arriver. Paf. Là, on peut. Du coup, oui, on a activé ce tremplin-là. Et tu rentres pas? Allô? Bah, je t'ai activé. Ah, je t'ai pas activé le bon. Tech. Ah, misère. Bon, ça va marcher. Bon, on aime bien faire les grands tours. Ah, ouais, comme tu dis. Allez, on refait un quatrième tour. C'est pour la bonne cause. Hop. Ah, je me suis pas essoufflé là. On y croit. Eh ben, on se souvient de toi. Voilà, le tremplin est actif, donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Je comprenais pas que j'avais une autre pile qui me manque tout là-haut. Allez, à nous. J'ai oublié. C'est une carrelle?
Non, il y a l'échelle. À moitié déçu là, hein. Je pensais avoir une solution. Ok. Et là, on fait quoi? Mais j'ai pas la réponse. Là, c'est juste pour grimper en haut. Tu te fous de moi? Ah, punaise! Ok, bah on est content. Comme ça, tu rejoins l'aile du vaisseau. Mais moi, j'avais une méthode plus rapide et moins pénible pour avoir les amis. Ouais, il se moque de moi. Le jeu n'est pas sympa. Tu m'étonnes qu'ils soient écrasés, tous éparpillés là. Ah. J'aurais bien aimé trouver une autre pile, mais non. C'est pour s'échapper, super. Donc ce tremplin ne sert à rien. Ok. Crotte! Après tout, est-ce qu'on a regardé les deux ailes? On dirait de là. Les amis étaient trouvés là-bas. C'est frustrant. Et ça a explosé, donc ça s'est ouvert ici. Très fun. Bon, ça répond pas à mon problème. Hein. C'est un peu embêtant. Porte là. Celui-ci peut ouvrir à droite, mais celui de gauche, on a qu'un truc qui ne peut rien faire. J'ai une pile qui est bloquée, qui peut pas grimper. Je suis bête. Ah, je suis bête. Ouais, mais d'accord, je saute. Et après, je balance comment là-bas? Ça, le problème, c'est que je n'ai aucun moyen. On a aucun moyen de grimper la pile, on peut pas. On peut pas. Cette porte d'accès en haut m'intrigue beaucoup. Et je n'arrive pas à jeter la pile, on a essayé. Fermé, on est en haut du vaisseau, on n'a rien vu, on a eu les bords. Ah oui, on peut arriver là, je sais bien. Il y a peut-être une réponse avec la porte d'en haut en passant par là. Mais je n'ai pas trouvé de pile. Et tout là-haut, quand on regarde la grille, il n'y a pas de pile non plus. L'idée aurait été simplement pourtant de l'acheter, de remonter, cool.
pas juste. Tu vois, j'ai pas assez d'élan. On peut pas grimper. Je n'ai pas 50 solutions. Lui est condamné, quoi. Lui est condamné. J'ai dû zapper quelque chose. J'ai rien zappé, hein. C'est sûr. Même pas une pile. Non, non, le vaisseau est bien là. Crotte de crotte de crotte. Et puis on a l'accès propre en haut. C'est la nuit. Donc j'ai fait le tour extérieur. Il n'y a rien. Tout se joue là. Tout se joue là. On a un côté activé. C'est peut-être pas le bon moment. Donc je revois la scène. Donc si c'est pas le bon moment d'activer quel côté ? Lui bondit. Lui te dit tu vas par là. Là j'ai activé mais c'est pas le pied. Il faudrait que j'active là et après je pourrais réactiver. Il faut que j'active ce côté là. Et je récupère après le tremplin que je n'ai plus besoin et après je reviens avec l'autre facilement. Pour aller à l'autre côté et j'active la porte. Si j'ai pas d'autres piles, si je n'ai rien trouvé en haut, ça peut être que ça. Il faut que je récupère. Et que je la remette aux pistes. Et on va essayer comme ça. Et ce machin là doit bloquer forcément. Parce que si je le bloque pas, il reste ouvert. Le mur d'arrêt doit arrêter pour que je tombe. Donc lui, trop tôt. Ça, j'ai plus besoin, j'étais faire mon tour, c'est l'escapade, ouais. C'est vraiment fait pour attraper le ami que j'ai eu d'abord. Non, il veut pas. Oh. S'il veut. Hop. En pire des cas, sinon j'aurais été avec le tremplin, peut-être me dévier. Donc on veut un mur d'arrêt. Faut être rapide. Voilà. De toute façon, il reste... Ah non, il reste pas longtemps. Si je remets, il repartait tout de suite. Attends, on recharge. Et là, il reste longtemps ou pas? Bon, on va pas jouer à sécurité. Si, on va jouer à sécurité, on l'a bloqué. Il faut faire des pauses parce que tu cogites trop. Et je pense que tu ne vois plus rien. T'es dans le stress de réussir. Et là... Ouais! Le mur m'a arrêté. Oh, et j'ai ma pile. Ouais, mais l'autre, elle est accessible. Parce que l'autre est à niveau, voilà. Ce tremplin-là est à niveau, et l'autre n'était pas à niveau, il était bloqué. Donc, c'est ce côté-là qu'il fallait faire, il fallait comprendre comme ça. C'est vrai que j'aime bien faire tout le tour, je perds du temps, mais je raisonne de cette manière. Donc là, on a activé la première. Et c'est comme ça que... J'ai pas réfléchi à ça, c'est que l'autre est profond, il peut pas... Lui est à niveau, il fallait déjà libérer cette partie-là. Punaise ! Avec la coupure de courant, nickel. La preuve qu'il faut boire du café, hein. Et là, ça doit marcher, on est bien, et puis c'est tout, et puis voilà. Et ça y est !
Bon, par contre, je suis très énervé parce que la porte d'en haut. Non, pas. Celle-là est activée. Succès déverrouillé, l'ombre de Nive. Ouais, mais. Elle est restée fermée. Pourquoi? Je comprends pas. Bon, bah, Sarah. On s'est retrouvé, une partie mémorielle. Oui, j'ai bien grimpé n'importe où, n'importe comment. Le loot Coco. Ok, rien ici. On gratte, hein. Franchement, plus gratteur que moi, tu meurs. Ok. Bonjour Sarah. Tu as un message non lu, sans blague. Allez. Enregistrement numéro 4. Sarah apparaît devant mes yeux l'espace d'un instant, j'ai l'impression d'apercevoir du texte que je parviens à reconnaître, mais il a disparu aussitôt. Défaillance des réacteurs 1A5, l'alimentation auxiliaire marche encore, mais les systèmes de navigation s'éteignent les uns après les autres. Nous allons nous écraser, capitaine! Il faut faire quelque chose! Dérouter toute l'énergie restante vers les systèmes d'atterrissage et dites aux autres vaisseaux d'en faire autant. Continue tout de même d'essayer de rallumer les réacteurs, on ne sait jamais! Ouais, on se croirait à un plein crash, c'est vrai. Monsieur! Les réacteurs ne répondent plus depuis que nous sommes entrés dans l'atmosphère. Ah, toujours l'interférence. Correct. La signature énergétique a changé, capitaine. Elle est retombée comme si elle répondait à notre présence. Pas maintenant, Sarah. Calcule-moi une trajectoire pour nous poser au plus vite. C'est la priorité absolue. Système de navigation hors ligne, capitaine. C'était vous que je... Non, je vais le faire moi-même. Voilà, on ne sait pas plus. Étrange, étrange. Bon, ça sauvegarde parce que j'ai débloqué ça. Je sais pas si ça suffira à faire un niveau 2 d'accès. Alors, je vous pose une question à ceux qui font le jeu. Si par hasard ça s'ouvre cette porte en haut, dites-le moi. Ça m'intéresse énormément. Parce que là, à part s'enfuir en haut, elle ne s'est jamais ouverte. Il n'y a pas de levier. Enfin, j'en ai pas vu, hein. Non, 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 il n'y a pas de levier, hein, je pars recommencer. Non, 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 non. Ah. Certainement pas. On va donc aller valider nos quêtes. Et ça, c'est cool. Et pour la conclusion, ouais, parce qu'on a tout fait. Saut de foudre se ramène ici. Au poste des 7 sœurs. Allez, tiens, pour la finale, pour une fois. Pas souvent. Petite téléportation pour conclure l'épisode. Et voir où ça nous emmène ensuite. Irénie la coursière. Je crois qu'elle raconte rien de particulier. Ouais, on a quelqu'un à voir à côté, mais je pense que là aussi, l'aubergiste peut-il me vendre un insigne ? Qu'ai-je pour toi? J'ai les crottes. Bravo, mille merci, novice. C'est très gentil à toi. Tu t'es bien amusé, j'espère. Ouais, ramasser du caca, ouais. Allez, si. Je m'en doutais. Merci de ton aide, novice. Mes fleurs t'en sont reconnaissance. Et un signe de scarabée. En fait, c'est le masque le plus cool. Il bouge. Ok, merci. Ah, il a encore bougé. Très bien. Et on doit voir du coup. Puissance de la foudre. Zara, la machiniste. Est-ce qu'elle est ici? Oui, apparemment oui. J'ai gardé ma tenue de cosmonaute. Salut Zara. Oui, des cristaux, je les ai. Un insigne de machiniste en plus. Merci. Je fabrique des pièces d'aérocycle et je les vends. Si tu souhaites, tu veux faire une machine rapide fonctionnant en électricité. Ah oui. Il faudra le fabriquer toi-même, bien sûr. Mais c'est le meilleur moyen de se lier à son aérocycle, pas vrai?
le fabriquer personnellement. Se lier ? Ah ouais. Donc je lui sers le petit texte évidemment hors dialogue, hein. Au revoir Sarah. Au revoir ce que tu vends. Alors, tu vends quoi ? Le turbo. Les cristaux chargés de foot sont capables de se déplacer d'eux-mêmes grâce à la décharge d'énergie statique. Les rossis contrôlent leur formation. Les canalisent. 200. On a 2000. Je sais pas pourquoi, mais on a beaucoup d'argent d'un coup. Les ailes. Et l'avant-foudre. Merci. Est-ce que j'ai des choses à vendre ? On va tout vendre, tiens. Pas les lucioles, les papillons. Les figues. Et il reste 480. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir customiser, s'il te plaît. Ça serait cool et on finirait là-dessus. Voilà. Ah, on peut changer la couleur. En fait, on voit ici. D'accord. Je veux bien, moi, mais... Voilà. Waouh, 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 waouh. Non, c'est bien comme ça. Vitesse max, accélération. Et nous, on veut la vitesse, hein. Donc, on est content. Voilà. Oh mon bibi. Waouh waouh waouh. Ah oui, c'est autre chose. Waouh. Avec des bruits de foudre. Ah, c'est génial. Bon, écoutez, sur cette folie, je vous dis merci d'avoir suivi dans Sable et au prochain épisode, tout simplement. Bye bye tout le monde. Allez, on fonce.